De Vries leader en baisse étalonné par le polar de Michel Sim. Médecin et animateur à succès, Michel Sim a cartonné en comédien sur France 3 ce samedi 17 mars. Avec Meurtre en pays de l'Héron, il a mis en danger la suprématie de The Voice. Le diagnostic des audiences. Sans surprise, The Voice remporte une fois de plus le titre de programme télé, le plus regardé ce samedi 17 mars. Avec 5,23 millions de téléspectateurs pour 26,4% de part d'audience devant l'audition finale, le télécrochet de TF1 enregistre toutefois une forte baisse, il perd 500 000 fidèles et 2 points de PDA sur une semaine. The Voice est étalonné par France 3, qui a cartonné avec Meurtre en pays de l'Héron, porté par Michel Sim et Hélène Cezaret. Ce polar inédit a attiré 5,18 millions de téléspectateurs, 23,3% de PDA. Il s'agit du deuxième meilleur score de cette collection de téléfilms derrière Meurtre à Orléans avec Michel Bernier, diffusé en janvier dernier. Si les Chevaliers du Fiel cartonnent en général sur C8, ils n'ont pas rameuté les foules sur France 2, où ils étaient invités d'honneur du grand show de l'humour. Le divertissement animé par Michel Drucker a attiré moins de 2,2 millions de personnes, 10,9% de PDA. C'est moins bien que N'oubliez pas les paroles 100% tube, le plus grand cabaret du monde et les grosses têtes, qui n'avaient pourtant pas fait de score mirobolant les samedis précédents. M, s'ils est en recul aussi, avec 2,1 millions de fans de la série AOI 5-0 devant la première intrigue inédite de la soirée, soit 150 000 de moins que la semaine dernière. La cinquième marche du podium est occupée par Arte, qui a dépassé les 800 000 curieux avec le documentaire inédit Hannibal, La marche sur Rome. Le top 5 des audiences primes du samedi 17 mars 2018. 1. The Voice, TF1. 5,229 millions de téléspectateurs, 26,4% de PDA. 2. Meurtre en pays de l'Héron, France 3. 5,179 millions de téléspectateurs, 23,3% de PDA. 3. Le grand show de l'humour, France 2. 2,177 millions de téléspectateurs, 10,9% de PDA. 4. AOI 5-0, M6. 2,097 millions de téléspectateurs pour le premier épisode, 9,2% de PDA. 5. Hannibal, La marche sur Rome, Arte. 836 000 téléspectateurs, 3,7% de PDA.